Eh bien, Billy est avec vous. Et je vous salue. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer à échanger sur les mécanismes de la conscience par rapport à vos témoignages. Car c'est dans ces éléments que nombre de personnes et d'individus réalisent ce qu'ils vivent, même sans en connaître l'essence ni les mécanismes. Plus que jamais, chaque jour qui va passer au sein de votre éphémère va vous amener tout naturellement à laisser être ce qui est de toute éternité, quoi que dise votre éphémère. Ceci est en cours et ne souffre ni délai, quel que soit ce que vous nommez vos lignes temporelles. Chaque minute qui va passer dans le temps de ce monde va vous apporter de différentes façons la certitude et l'évidence de votre éternité, de votre résurrection. Que cela soit par le vide et le silence, où la joie peut éclore ainsi que l'amour, sans en passer par les vibrations, ou que cela passe par les vibrations, que cela soit instantané ou progressif, ne change rien, car il s'agit en définitive du seul et unique processus où le je suis s'efface, où le soi s'efface, laissant place à la vérité nue, ne s'encombrant d'aucun artifice de forme, de dimension, d'histoire, afin de vous rendre compte, de conscientiser qu'il n'y a personne. Il n'y a que la conscience et la source de la conscience. Tout le reste ne sont que des jeux, tout le reste ne sont que des histoires qui se finalisent au travers de ce monde et de son illusion. L'amour nu n'a pas besoin de vous, l'amour nu n'a pas besoin d'autre chose que d'être en la totalité de l'instant afin de briser littéralement la notion de temps. Vous n'avez dans cette période rien d'autre à entreprendre que d'être disponible, d'être lucide, tout en faisant ce qu'il vous reste à faire, si cela est possible. Alors, je te laisse la parole. Tu peux commencer. Alors, nous avons tout d'abord une question d'un frère qui n'est pas là. Je l'écoute. Quand on vous pose une question, c'est que la conscience est mal positionnée et l'on n'y peut absolument rien. La réponse vécue, vient, mais ne peut être appliquée car la conscience reste a priori au même endroit. Mais l'explication n'est pas liée à mes mots, elle est liée au verbe et à la vibration. Je pourrais faire blablabla avec le bon verbe qui ne sont pas des mots. Si la conscience ne se déplace pas comme tu dis, c'est que l'accueil, l'évidence et surtout cette notion de sacrifice n'a pas été vécue. Mais cela ne dépend pas d'une incapacité ou d'une impossibilité, mais bien ce que je nommais un point de vue. Il n'y a pas d'observateur ni témoin, il y a volonté de se saisir de ce qui est dit au travers de l'intellect et non de le vivre directement au niveau du cœur. Tant que tu sens devoir faire un effort, tant que tu sens que tu n'y es pas, dis-toi bien que le seul obstacle, c'est ta personne et rien d'autre. Ton histoire, tes croyances et tes adhésions quelque part au fait de se sentir être ce corps ou être de ce monde. Dès l'instant
ou ce retournement intérieur du mental au témoin est fait, il ne peut plus y avoir d'opposition, même s'il y a incompréhension. Le verbe s'est fait chair, mon verbe pénètre dans votre cœur avant de pénétrer dans votre tête. À partir de cet instant, cela a été dit, je crois, par l'acolyte. Il y a puissance effective du verbe par activation de l'Eucharistie. Ainsi donc, vos mots ne sont plus des mots, vos regards ne sont plus des regards, vos mots deviennent le verbe et le regard devient non pas une émission mais une absorption, non pas seulement des photons mais de toute conscience. S'il y a impression ou sentiment de ne pas être quelque part en phase et de demeurer au sein de la personne, cela signifie que c'est la personne qui, inconsciemment, veut se saisir des concepts et des mots plutôt que de vivre la vérité. Je l'ai dit avant-hier, aucun concept, quel qu'il soit, ne peut vous faire vivre ce que vous êtes, parce que le concept n'est pas né dans le cœur et n'arrive pas au cœur. Donc vous demeurez dans la tête. Et tant que vous êtes dans la tête, je vous rappelle qu'il y a l'impulsion métatronique du mois de décembre qui fait des nœuds avec vos neurones. Alors que dans le cœur, il n'y a plus aucun problème. C'est descendre de la tête au cœur par un acte de pensée, puisque la lumière et la conscience suivent la pensée. Alors que si tu demeures à essayer de comprendre mes mots, tu ne bénéficies pas du verbe. Quelle que soit ta langue natale, que tu comprennes ou ne comprennes pas mes mots, ne change rien, car j'adresse la vibration au travers de la personne directement dans le cœur. La preuve, mon verbe, ce jour, ne sort pas par ma bouche, mais est transmis directement au niveau du cœur. Et cela est perceptible dès l'instant où vous accueillez sans chercher à comprendre. Vous aurez tout le temps de comprendre, mais pas en cet instant où vous m'entendez et où je parle. Je m'adresse plus à votre personne, mais je m'adresse à la vérité tapie à l'intérieur de vous et qui n'a pas encore émergé pour ceux qui ne vivent rien. Les faits, encore une fois, ne sont pas le sens de mes mots, mais ce qu'il y a juste derrière ou juste devant, qui est le verbe. Or, c'est le verbe qui est agissant, et certainement pas la compréhension ou le concept. Parce que là, vous demeurez dans la tête. Il n'est pas question de ressentir nécessairement les vibrations du verbe, mais l'impact du verbe dans le cœur, lui, est total. Mais si tu passes ton temps à écouter avec tes oreilles, plutôt que d'être dans l'accueil, c'est-à-dire entendre au-delà des mots, alors tu ne seras plus dans une écoute superficielle, tu ne seras pas non plus dans une compréhension, mais dans un vécu direct. Il faut faire taire le filtre mental dans ces moments-là. Mais bien sûr, tu as d'autres occasions que mon verbe. Mais je t'invite au travers de ta question, déjà de dire « ma conscience ne veut pas bouger », te montre que ton mental, lui, ne veut pas que ta conscience bouge. Mais tu n'es pas ton mental. Il y a donc un problème d'identification où tout passe par le filtre du mental plutôt que d'être accueilli spontanément, naturellement, par le sens de l'accueil, de l'évidence et du sacrifice que se vit la vérité. Ce n'est pas possible autrement, quelle que soit la beauté de vos concepts, de vos réflexions, de vos cogitations, l'évidence est évidente. Si pour vous ce n'est pas évident,
c'est que ce n'est pas encore le moment. Au-delà même de la conscience nue et de la possibilité nouvelle pour un nombre toujours plus grand d'entre vous d'aller explorer sans corps la surface de ce monde, d'y agir à votre guise, parce que c'est votre responsabilité, par l'éclairage que vous portez, par le regard que vous portez sans intention, que se résout les antagonismes pouvant encore exister sur cette terre, au niveau des personnes, au niveau des constructions, au niveau de la géologie et au niveau des éléments. Mais même si vous ne sortez pas en conscience nue, la résurrection peut se finaliser dorénavant par la triunité et par la relocalisation définitive de votre conscience indépendamment des énergies et des vibrations directement dans le cœur. Alors à ce moment-là, s'il n'y a pas de processus de perception du corps d'éternité, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais cela est remplacé par la nudité de la perception de l'absolu qui est perceptible dorénavant. Ça donne une grande joie, un grand silence, une grande évidence et rien d'autre. La trame temporelle, une fois là, résurrection personnelle réalisée conduit à des trames parallèles qui ne se rejoindront qu'au moment de l'appel ou de l'événement. Vous n'avez pas à vous soucier de cela, car le seul marqueur au sein de la personne où vous vivez tout cela est simplement la grande joie, un grand silence qui est reconnu instantanément et pas par la tête, par ce que vous êtes. À partir de là, au niveau de ta question, je t'invite à un retournement vers toi-même, réel et concret, de ressenti de ce que tu vis à travers ce sac. Et tu déboucheras immanquablement, si ton attention explore, même sans rien sentir d'apparent au niveau de la poitrine, tu constateras que ta conscience n'est plus seulement dans la tête, mais se localise différemment. À partir de là, tu n'as rien à entreprendre, simplement à rester tranquille, accueillir de plus en plus, sans réflexion et sans cogitation, et surtout sans compréhension. La compréhension vous fige, elle ne vient qu'après. Et je crois que l'acolyte vous a parfaitement expliqué le déroulement de l'accompagnement qui s'est produit depuis plus de 30 ans, mais surtout depuis ce que vous avez nommé les noces célestes jusqu'à ce jour. Le processus de la conscience, aujourd'hui, est directement accessible sans avoir à traverser de couches isolantes, en particulier liées à l'âme, liées au conditionnement de l'âme. N'oublie pas que ce que tu cherches au travers de ta question te cherche aussi. Alors à force de vous chercher, que faut-il faire ? Simplement arrêter dans la tête même la notion de recherche. Je te renvoie par là à tout ce que j'avais expliqué et qui a été vécu pour beaucoup concernant la réfutation, la montée de l'onde de vie et la libération de la personne. Aujourd'hui, vous n'avez même plus à vous préoccuper de libérer, d'être libéré de votre personne. Cela se fait tout seul, par le cœur, par l'intelligence, non pas la tienne, mais bien sûr celle de la lumière. Cela nécessite une forme d'attention et de vigilance, de lucidité, afin que l'évidence transperce quelque part
non plus les couches isolantes, il n'y en a plus, mais bien uniquement le sentiment non réel de ne pas y arriver. Car effectivement, tu ne peux pas y arriver depuis la personne. Ce n'est qu'en considérant, même conceptuellement, que tu n'es pas ce corps et que tu n'es pas cette personne. Tant que tu ramènes à la personne, tu ne peux pas être libre. Le positionnement de la conscience collective au cœur, par l'intermédiaire de la triunité, va permettre à d'innombrables frères et sœurs, dans le doute ou dans la non-évidence, de trouver cette évidence naturellement. Parce que les uns et les autres qui vivaient ou qui vivraient ce processus au niveau de la triunité dans la poitrine ne sont pas seulement contagieux, ne déclenchent pas seulement une épidémie, mais déclenchent la vérité nue et brute qui ne souffre aucune discussion, aucune question et rien qui ne vienne de la personne. Voilà ce que je peux te dire. Il ne sert à rien de vouloir méditer avec un objectif. Essaye simplement d'être dans l'accueil, dans la posture de l'accueil, d'être tenir prêt pour l'impossible, l'inconnu, le merveilleux et l'inaccessible. Et il deviendra alors évident sur l'écran de ta conscience, de l'observateur, avant de déployer la vibration de ce cœur sur l'ensemble de ton corps de chair qui correspond, comme tu le sais, au corps d'éternité. Il n'y a rien d'autre à faire. Tant que vous croyez que vous pouvez contrôler, maîtriser, diriger avant d'être ressuscité, ce n'est pas possible. Après la résurrection et la finalisation, que vous sortiez ou pas, que vous viviez simplement la grande joie, le grand silence, ou que vous soyez en action, en conscience nue à la surface de ce monde, ne fait pas de différence sur le résultat de ce qui se vit à chaque minute. La matrice christique véhicule l'esprit du soleil, véhicule le cœur des anges et véhicule la Trinité. Que vous la nommiez Christ, Marie ou Michael, nous la nommons autrement en Inde. Mais c'est la même chose. C'est juste des ornements, des décors. Plutôt que de chercher, apprends simplement comment te mettre dans le silence de l'accueil où n'interfère ni l'observateur magnifié, ni la personne qui veut se saisir de ce qui pourrait se produire. L'accueil n'est pas simplement le repos immobile, puisque vous pouvez accueillir dorénavant en faisant toute autre chose. C'est une disposition de la conscience et une disposition de l'esprit. Et dans certains cas, aussi une disposition de l'âme, si elle est présente, à vivre sa dissolution dans l'esprit. Tout ça ne nécessite de ta part rien d'autre que d'être entièrement présent, sans demande, juste avec l'intention initiale, et après le silence. Laissez être ce qui est déjà là, parce que c'est seulement dans ton cas et dans d'innombrables cas que seuls les concepts et les croyances dans la tête peuvent réfréner. Voilà ce que je pouvais te répondre. Je fais un tout petit silence à la fin de chaque intervention
pour que vous soyez lucide de ce qu'il se produit après mon mot et mon verbe, en vous, dans le silence, le temps que cela s'intègre et vous révèle ce qui est. Nous pouvons continuer. Alors, la question n'était pas tout à fait terminée. Alors, continuons sur cette question. Mais si la conscience est bien positionnée, car c'est le juste moment, et que l'on n'y peut rien non plus, alors il n'y a plus la moindre question. Alors, à quoi bon vous poser des questions? Je t'ai donné la réponse. Quand c'est la personne qui questionne, je ne peux pas la renvoyer à la personne. Ça te prouve bien à travers cette dernière partie de question que tu es installé dans un processus mental de questionnement. Et que c'est bien ta personne, ton mental, pas le questionnement en lui-même, mais la façon dont tu formules cette deuxième partie de question ne fait que traduire ton jeu mental avec les mots. Parce que si c'était du verbe, si tu saisissais derrière les mots le verbe qu'il y a, ce genre de deuxième partie de question n'existerait pas. Il n'est pas question de faire des jeux de mots ou des phrases jolies. Il y en a beaucoup qui savent faire ça, mais ça c'est un travestissement. Il n'y a rien de vécu, ce sont des concepts mentaux qui sont jolis. Nous ne sommes plus dans l'apprentissage de ce que je pourrais nommer l'Advaita Vedanta. Nous sommes dans un événement qui conjugue l'éphémère et l'éternel, qui concerne l'ensemble des consciences présentes sur Terre, et un processus très particulier. Si aujourd'hui encore, tu termines ta question par ce genre de choses, j'appelle ça une pirouette. Ma réponse n'est jamais pour la personne. Que cela soit ici ou pour tous ceux qui entendent les réponses. Elle se situe au travers de la personne. Continue alors. Là, je fais pas de pause. C'est un témoignage d'une sœur. Bonjour Bidi. Hier soir, pour la première fois, pendant la fusion en l'amour, j'ai ressenti ton amour et je me suis sentie enveloppée par ton amour. J'ai compris que des bleus à l'âme s'étaient évacués pendant la guérison de l'après-midi. En particulier la peur d'être aimée. Ce matin, je suis allée à la source de cette peur qui provenait d'éléments de violence que j'avais vécu il y a très longtemps, éléments qui semblaient liés à une lutte entre le féminin et le masculin. J'ai mis tous les êtres concernés dans l'amour de mon cœur. Instantanément, je me suis sentie réunifiée, recentrée, alignée avec une immense puissance en moi. Au niveau du cerveau, ça fourmillait surtout au niveau du cerveau reptilien. Et puis, c'est comme si j'étais dans une grande bulle qui était comme un espace-temps différent. Cette bulle s'est rétrécie jusqu'à mon corps. J'ai senti le cœur, j'ai eu un sursaut de conscience et la bulle s'est dissoute lentement.
J'ai comme l'impression que cette expérience peut aider à résoudre les problèmes entre le masculin et le féminin dans l'humanité. Peux-tu en dire quelque chose? Merci Bidi pour ta patience et ton amour. Alors bien sûr que oui! Oui! Parce que je vous rappelle que dans la guérison planétaire, le soin qui a été fait, les syntonies qui sont pratiquées, planétaires ou individuelles, les rendez-vous que nous avons toute la semaine, vous rapprochent de cela. Effectivement, on peut dire que le tout et le rien sont pas en ambivalence ni en complémentarité, mais en synchronicité. En ce monde, vous avez quoi au niveau représentation atrophiée du tout et du rien depuis des millénaires, même si aujourd'hui il y a un ornement qui tendrait à vous faire croire, et c'est valable dans vos pays comme de mon côté là-bas en Inde, avec en plus les castes, le tout c'est le patriarcat et le rien c'est la femme qui est moins que rien. Or le tout ne peut pas vivre ce qu'il est sans le rien, et le rien ne peut pas vivre sans le tout, mais les deux devaient être équivalents en même affinité et non pas en déséquilibre, à tel point qu'aujourd'hui l'avidité matérielle, sexuelle, tout ce qui concerne le plaisir de ce monde, quel qu'il soit, est toujours sous l'influence d'une action, d'une dégradation du tout, qui n'est pas le masculin sacré, mais qui est simplement le patriarcat, la prédation. Alors oui, le fait de passer vibratoirement et en conscience de l'expansion du cœur à sa disparition est exactement le processus qui permet à la fois l'alchimie, la résolution et la résurrection. Bien sûr que c'est superposable en ce monde à ce qui a été nommé le masculin, le féminin, le bien et le mal, qui n'ont aucune substance au-delà des mondes carbonés. Donc bien sûr que c'est superposable. Et bien sûr que c'est un espace de solutionnement, de pardon, de guérison, de transcendance entre ce qui avait été séparé, le masculin et le féminin, à cause de l'anomalie primaire. Sinon, l'androgyne primordial serait sur le devant de la scène au niveau de votre morphologie, au niveau des fonctions. Regardez, il existe encore quelques peuples se situant en 3D que vous nommez unifiés. Là, il y a une sexualité possible, mais elle n'est absolument pas présente chez tous les peuples. D'ailleurs, il y en a qui n'ont pas ni organes sexuels, ni organes reproducteurs. Ils se reproduisent autrement, dans la liberté. Il vous faut garder à l'esprit que même s'il y a des analogies, ce n'est jamais la vérité. Cela fait partie du conditionnement de créer des attachements, des liens, des karmas concernant la personne, concernant l'âme. Donc oui, l'expérience et le témoignage que tu apportes participent indéniablement de la réconciliation du masculin et du féminin. C'est aussi la résolution de certaines anomalies entre des peuples galactiques lors de leur jeu. L'interaction entre ce que vous nommez un plan de conscience, nommé les mères généticiennes créatrices, et les administrateurs des mondes de la création. Quand vous employez le terme administrateur, n'y voyez pas de l'administration au sens humain. C'est exactement l'inverse et l'opposé. Donc vous voyez qu'à travers les mêmes mots, faire passer des concepts au travers seulement des mots ne veut rien dire. Mais oui,
ce que tu décris, ce que tu as vécu, est un espace de résolution du masculin et du féminin qui te sont propres, mais illustrés au sein de la personne dans des vies passées, au travers la prédation du masculin sur le féminin. On peut pas dire qu'il ait existé beaucoup de prédation féminine sur le masculin, n'est-ce pas? Les choses sont en train de changer en Occident et en Orient. Mais si c'est pour remplacer une prédation par une autre, ça ne sert strictement à rien. Ça s'appelle une revanche. Il n'y a aucune revanche à prendre. Il y a juste un pardon à appliquer. Et cet espace de résolution vous est offert par l'amour nu. Eh bien, poursuis. Il n'y a plus de questions ni de témoignages écrits. Alors, nous dialoguons ensemble, essentiellement sur les mécanismes de la conscience, essentiellement sur la résurrection, sur vos perceptions et ressentis. Ou tout autre témoignage, bien sûr. Je voulais témoigner que lorsque vous vous exprimez, Lydie... Je sens comme des ondes de forme qui viennent pénétrer dans mon corps et mon cœur. Et je sens que ça s'amplifie quand, en plus, il y a le silence qui vient après. C'est vraiment amplifié. C'est sensitif, c'est vraiment palpable. Et sensitif, vivant. Je te remercie. Et quand tu parles d'onde de forme, il faut savoir que le verbe est géométrie sacrée. Au commencement était le verbe. Première manifestation de la conscience, mise en forme. Donc, le verbe est forme. Ainsi donc, à partir du moment où il n'y a plus d'écran, à partir du moment où il n'y a plus de couche isolante, ou très peu, tu perçois effectivement mes mots, non pas comme des mots, non pas comme des hurlements, mais par des formes et des ondulations et des informations qui pénètrent directement ton corps d'éternité et ton corps physique. C'est exactement cela. Et dans certaines de mes interventions, comme vous l'avez constaté, il y a ce silence qui permet justement d'intégrer dans votre conscience, au-delà du mental,
à la fois l'aspect vibral, l'aspect énergétique et l'aspect direct sur la conscience de mon verbe. Donc le témoignage que tu dis de mes mots correspond dorénavant à ce que tu es capable de percevoir au-delà de l'illusion depuis l'éternité. C'est exactement cela que tu vois. Et je peux même dire que je vois pertinemment à la fois la forme géométrique, le lieu d'entrée et le lieu de l'alchimie et le résultat. Vous commencez à le vivre aussi. Et cela est très éclairant. Cela prouve qu'il y a un accès de plus en plus direct au monde des archétypes, au-delà du phénomène. Vous retournez à l'essence, et l'essence du verbe, c'est effectivement des formes simples. Parce que le verbe est né depuis la source et depuis ce qui a été nommé, je crois, par le commandeur, les Ayot HaKodesh, ou si vous préférez, les Anideva, correspondant aux éléments. C'est la même chose. Alors bien sûr, selon le peuple, on vous parle de cavaliers de l'Apocalypse. D'autres vont vous parler, comme nous le faisons et comme vous le vivez, des circuits vibraux et de la conscience de l'éternité qui s'active et se révèle. Mais c'est la même chose. J'en profite pour dire que si vous sortez en conscience nue, c'est-à-dire non pas demeurant dans ce corps à travers la grande joie et le grand silence, mais si vous sortez en conscience nue, vous allez vous apercevoir d'un certain nombre de faits géométriques. Non pas seulement au sens où vous l'entendez, c'est-à-dire ce que vous nommez un espace dit euclidien, je crois, c'est-à-dire un plan et des dimensions définies dans les trois directions de l'espace, mais là vous êtes au-delà de l'espace et du temps. La forme géométrique ne dépend ni d'une dimension donnée, ni même d'un état donné. C'est la vibration essentielle du verbe. Vous l'avez d'ailleurs, je crois, dans les premières phrases de votre livre dit sacré. Profitez-en, parce que comme l'a dit l'acolyte, bientôt il n'y aura plus aucun livre. Vous verrez que cela correspond à cela. Et d'ailleurs, dans la première phrase la plus connue de la Bible, il est bien dit qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès des Elohim, non ? Le Verbe, c'est de l'air mis en forme. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement une ondulation d'une onde sonore, mais c'est une onde qui prend tout l'espace de la conscience. D'autant plus qu'aujourd'hui, et pour vous, nous vous l'avons expliqué, vos pensées, vos idées, vos mots sont accompagnés par la lumière, par le verbe, même si vous n'en avez encore aucune perception. Je profite de cet espace entre les témoignages et questions pour vous affirmer que durant cet instant, depuis ma venue jusqu'à la fin de ma venue,
même sans être au courant, vous allez constater que d'innombrables frères et sœurs vivent en ce moment même le cœur du cœur, ou la syntonie, ou encore la résurrection par la triunité, sans même savoir de quoi il s'agit, parce que je me sers de vous qui êtes ici en tant que relais et amplificateur de ce qui est à vivre au niveau du cœur. Ça veut dire que au travers de vous et en vous, j'effuse le Verbe partout sur la planète en ce moment. Tu peux continuer. Qui veut s'exprimer? Oui. Pour prolonger la question précédente. Pour prolonger la question précédente. Est-ce que les sons du ciel qu'on entend à certains endroits de la terre, qu'on appelle aussi les trompettes de l'Apocalypse, est-ce que ça fait partie du Verbe créateur? Est-ce que les sons de la terre qu'on entend en ce moment un peu partout à travers le monde, qu'on appelle aussi les trompettes. Est-ce que ça fait partie du Verbe? Est-ce que ça fait partie du Verbe? Sur le plan plus prosaïque, ce sont les forces de friction entre le noyau, la couche intermédiaire et la croûte terrestre. Ça, c'est les tam-tams de la Terre, tel que vous l'avez expliqué, Snow. Bien évidemment, que cela soit le son de la terre ou du ciel en d'autres lieux, qui lui résulte de l'interaction de la lumière avec ce qu'il peut rester de bribes de couches isolantes, c'est le son de l'appel, c'est le son du réveil. Et bien sûr que cela agit de la même façon que vous constatez déjà depuis longtemps, mais avec acuité plus particulière en ce moment, que les sons perçus pour ceux qui le perçoivent dans les oreilles est profondément différent et accompagne souvent les effusions collectives, planétaires ou individuelles. C'est effectivement le chant de l'appel. C'est de façon simulée, dans le simulacre religieux, c'est aussi bien l'appel du muezzin que le chauffard chez les juifs, que les cloches chez les chrétiens. Mais ça, ça n'a pas d'effet sur le cœur. Ça fige la personne. Ce son n'est pas le Verbe créé par les humains. C'est du bruit. Ce qui n'est pas le cas pour ce qui a été nommé le nada, le son de l'âme, les différents sons de l'âme ou de l'esprit, et ce qui non plus n'a rien à voir avec les sons dits du ciel et de la terre,
qui sont effectivement assimilables à des trompettes. Les trompettes sont faites pour avertir, pour célébrer, mais avant tout pour réveiller. C'est tout à fait superponable. De la même façon que la ionosphère était la limite de la causalité, représentée par le chakra de la gorge, les sons sont liés à l'entendement, non pas du son, mais l'entendement qui correspond à la communication avec le divin, c'est-à-dire les états multidimensionnels, pas seulement par l'oreille, mais ceux que vive votre conscience. D'ailleurs, ceux qui sortent en conscience nue peuvent témoigner qu'il n'y a pas de son dans les éthers, même de la terre. Il y a des formes qui correspondent au son pour ici sur terre. Donc oui, c'est totalement superposable. Au travers de mes mots, de cet instant et de ce questionnement, vous pouvez en conclure avec aisance que tout ce qui se déroule au niveau des sons, je ne parle pas du chant, hein, je parle des milieux dits spirituels, les clochettes, les gongs, les musiques d'église, les chants religieux, quels qu'ils soient, ne sont que du bruit, c'est du simulacre. La seule vérité est dans le silence. Elle ne peut pas être dans l'agitation de clochettes, ou dans le fait de frapper un gong, ou de faire sonner une cloche. Ça, c'est de la parodie. Ça vous maintient dans l'histoire. Ça vous distrait. Mais cela n'est jamais suivi d'effet, excepté bien sûr pour certains êtres que vous nommez des saints et qui eux sont capables d'aller au-delà du simulacre ou de la parodie et de trouver en eux la vérité. Le son, les mots ne sont pas captés par la conscience. Ils sont captés par le mental et par les structures éphémères, en particulier ce que vous nommez le corps éthérique et le corps astral, qui sont très sensibles au son. C'est une vérité relative de ce monde. Le verbe traverse les couches éphémères, de même que les trompettes, de même que les sons du ciel et de la terre. De même que vos propres sons, il existe d'ailleurs plusieurs formes de yoga qui sont liées au son. Vous l'avez dans ce qui est nommé le Kriya Yoga, dans le Nada Yoga et dans d'autres formes de dévotion. Mais il est très rare que le son devienne verbe. Tout dépend de la personne elle-même et non pas du décor. Par contre, le verbe, le vôtre comme le mien, dès l'instant où vous laissez spontanément sortir les mots, ils deviennent verbes parce qu'ils ne sont pas réfléchis dans la tête, ils sont spontanés. Et celui qui le vit est tout à fait capable de percevoir au niveau vibral, au niveau énergétique, comme au niveau des sons, ce qui est de l'ordre des mots et ce qui est de l'ordre du verbe. Parce que bien sûr, l'impact en soi comme autour de soi n'a rien à voir.
Qui prend la parole? Pour revenir au témoignage de notre sœur qui parlait du ressenti des ondes et justement de ces fameux sons. Pour revenir au témoignage de notre sœur qui parlait des ondes et justement des sons. À partir du moment où vous avez commencé à lui répondre et à exprimer cela. À partir du moment où vous avez commencé à lui répondre et à exprimer cela. C'est comme si, alors c'était pas une vision visuelle, mais c'est comme si je sentais des, justement ces formes qui traversaient la pièce. Ce n'était pas une vision visuelle, mais c'est comme si je sentais des formes qui traversaient la pièce. Et il y avait surtout une forme que je percevais. Il y avait surtout une forme que je percevais. Qui était plutôt une forme comme un, je dirais un point d'interrogation renversé. Qui était comme une clé. Qui était plutôt comme une forme de point d'interrogation renversé, comme une forme de clé. Voilà, donc je voulais savoir si c'était vraiment une. Soit c'était une projection de mon mental ou si c'était vraiment une réelle perception. Je voulais savoir si c'était une projection de mon mental ou une réelle perception. Je te rappelle que tous les corps d'éternité sont présents. Ils doublent la peau. Que votre conscience est en train de passer dans ce corps d'éternité. Cela a été expliqué, je crois, par l'acolyte. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le corps d'éternité étant présent, ce n'est plus tes oreilles qui perçoivent avant, mais ton cœur est le corps d'éternité. Et comme ta conscience y est déjà, par moment, mais de façon générale, un petit peu en permanence, tu perçois mon verbe, comme je l'ai dit. Ce que tu as vu, ce point d'interrogation inversé, fait partie de ce que vous aviez nommé à l'époque le Jina Abdul sumérien, dont dérive l'alphabet hébreu antérieur à celui que vous connaissez, qui est appelé l'alphabet cosmique, qui représente des constellations et donc des formes. Par exemple, ce qui s'approche le plus de ça, c'est de cette forme que tu as décrit, est le Lamed, dans la langue hébraïque. Je ne vais pas passer en revue toutes les langues, mais vous constatez, dans ce que tu viens de dire, confirme que mes mots ne sont pas des mots, puisqu'ils s'agencent en forme, ils sont donc vibrations et mises en forme du verbe, dont le point d'impact est effectivement ton éternité, et non pas ton oreille, te donnant à percevoir, comme tu le dis, en tout cas une forme qui est une information perçu et ressenti par la conscience et par le corps d'éternité. C'est la vérité. C'est exactement cela. Qui prend la parole? Oui. Quelle est l'origine des formes géométriques qui se dessinent dans les champs et que nous nommons les crop circles? Quelle est l'origine des formes géométriques qui se dessinent dans les champs terrestres et que nous nommons les crop circles? Tout dépend de qui les fait.
Il n'y a pas d'unicité dans tous ceux qui apparaissent. L'intelligence de la lumière et la conscience nue est tout à fait capable d'en tracer. Vous avez d'ailleurs vraisemblablement des images ou des vidéos qui vous montrent des sphères en action qui n'est rien d'autre que la conscience nue. Ce n'est pas des extraterrestres. Bien que les Arthuriens adorent les dessins, ce sont des clés, bien sûr en résonance avec des événements, mais avant tout des clés pour la conscience qui ne passe pas par l'explication ou la compréhension, même si elle y est, mais par le vécu. Ceux qui se rendent sur des crop circles ou qui regardent l'image d'un crop circle sans chercher à cogiter et à expliquer, vont vivre exactement la même chose qu'avec mon verbe et des effets qui sont précis. Alors bien sûr, il existe aussi des crop circles qui ne sont pas vrais. Mais maintenant, ce genre de question te renvoie à quoi par rapport à la conscience? À rien, si ce n'est la possibilité pour ces crop circles ou pour certaines constructions aussi qui ont été faites sur cette terre, soit d'être orientées vers le verbe, soit sur la matérialisation, la cristallisation, la prédation. Il en est de même pour les crop circles. Certains ouvrent, porteurs du verbe, et d'autres ferment, porteur du faux. Qui prend la parole? Oui. Depuis que Bidi parle. Depuis hier. Sa voix n'impacte pas mon cœur, mais que mon cou. Sa voix n'impacte pas mon cœur, mais que mon cou. Et je sens une activité au front et au ventre qui s'échauffe, le ventre s'échauffe. Et je sens une activité au front et le ventre s'échauffe. Et depuis qu'on a parlé là tout à l'heure du son, j'ai maintenant le bassin qui devient froid. Et depuis qu'on a parlé tout à l'heure du son, j'ai maintenant le bassin qui devient froid dans le dos. Oui, plutôt. Mon verbe agit sur le corps d'éternité. J'ai pas dit seulement au niveau du cœur. Il agit sur la conscience, mais il peut agir de partout sur le cœur. Sur le corps éphémère comme éternel. Et il va se localiser, mon verbe, par l'amour, là où c'est nécessaire. Ça veut dire que tu as quelque chose au niveau du cou qui est en train de se résoudre. As-tu mal au cou? Non. As-tu des problèmes à ce niveau-là, d'autres faits que les douleurs? Non. Alors c'est un travail de libération. Si c'est derrière la tête, au niveau du cou en haut, tu as la structure élémentaire haute et bien sûr le chakra laryngé. L'effet peut être soit sur la conscience nue directement sur le cœur, mais aussi n'importe où sur votre corps
d'éternité, mais c'est pas moi qui décide pour chacun de vous où ça va. C'est l'intelligence de la lumière. Mais le plus important, c'est cette vague du cœur. La vague du cœur, dans les silences, est constante. C'est le temps, je crois que ça a été dit, d'intégration du Verbe. Mais ce Verbe, au travers de cette forme géométrique, se place là où c'est nécessaire. Vous savez très bien que même sur Terre, vous avez des thérapeutes qui utilisent le son, qu'il y a une correspondance entre une fréquence, une vertèbre, un organe, une fonction, c'est connu depuis plus de 100 ans en Occident, depuis toujours en Ayurveda ou en médecine chinoise. Or, étant au-delà des mots, parlant par le Verbe, en vous, il est évident qu'au-delà du cœur, s'il existe au niveau du corps d'éternité ou du corps physique des choses à libérer, le Verbe les libère. De la même façon que dès l'instant où vous faites expansion et cœur du cœur, il y a action, il y a à vivre. C'est le même effet que la lumière sans son, c'est-à-dire ce que j'ai nommé le silence, la grande joie, le grand silence, qui est l'évidence de qui vous êtes. Et cela n'a pas besoin ni de vibration, ni de chakra, ni de préalable, pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, vous commencez à le percevoir en mon intervention de ce jour, que vous la suiviez ici, ou que vous soyez en train d'être à l'autre bout de la planète, c'est la même chose qui se produit. Expansion, silence. Verbe, antérieur au verbe. Verbe, manifestation, silence. Émanation. C'est le même processus que ce que j'avais nommé la respiration du cœur. Passer du rythme cardiaque à la respiration du cœur. C'est le jeu du silence et du verbe, de l'être et du non-être, qui participent de la même vie, de la même évidence et du même amour.
Qui veut parler? Oui. Par rapport à la question sur le verbe créateur et les ondes de forme, la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Par rapport au verbe créateur et les ondes de forme, donc dans la réponse que vous avez donnée tout à l'heure. Pendant votre réponse, mon corps s'est mis à trembler ou à avoir des vibrations très fortes seulement sur le côté gauche. Pendant votre réponse, mon corps s'est mis à avoir des vibrations très fortes du côté gauche, à trembler. Vous avez dit que c'était sans doute, enfin ce que j'ai saisi à ce moment-là, ce que j'ai compris, c'est que votre verbe pénétrait dans cette partie du corps. Ce que j'ai compris, c'est qu'à ce moment-là, votre verbe pénétrait dans cette partie du corps. À la suite de ça, il s'est mis un tube de lumière de haut en bas, enfin très haut, très bas, au-delà de mon corps physique. À la suite de ça, il s'est positionné un tube de lumière de haut en bas, très haut au-dessus de moi et très bas en dessous de moi. Et ensuite, ça, c'est en train de s'amplifier. Voilà, ça s'est amplifié assez rapidement. Ça s'est amplifié assez rapidement. Je ne sais pas trop où ça s'arrête en fait. Je sens une amplitude vraiment vaste. Expansive. Oui, oui, on peut dire ça. Je sens une amplitude qui s'étend, qui s'expand assez vaste sans pouvoir en voir les limites. Voilà, c'est un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Je te remercie. Tu illustres par ton témoignage la réalité de ce qui est vécu. Passer du silence au verbe est la respiration primordiale de toute création qui ne sont pas séparées. Le verbe dont je parle dans les autres dimensions ne sont pas des mots ni des bruits. C'est exactement la lumière mise en forme. Mais je te remercie, ce qui prouve bien évidemment que de façon de plus en plus extensive, vous démontre que le verbe est agissant maintenant beaucoup plus qu'avant. Qui prend la parole? Oui. Tout à l'heure, tout en écoutant ce qui se disait et en l'entendant vraiment. Tout à l'heure, tout en écoutant ce qui se disait et en l'entendant vraiment. Je me suis pourtant assoupie. Je me suis pourtant assoupie. Et j'ai ressenti à l'avant de ma poitrine comme un mouvement d'aile. Et j'ai ressenti à l'avant de ma poitrine comme un mouvement d'aile. Qui m'a ramené à une conscience plus directe. Enfin, je me suis réveillée comme si je me réveillais. Qui m'a ramené. Qui m'a ramené à une conscience ici, comme si je me réveillais. Fin du témoignage. Je te remercie, c'est les mécanismes que vous connaissez pour plusieurs depuis de nombreuses années avec moi, disparaître. À la différence d'auparavant, et tu vas nous le confirmer ou pas, c'est qu'au retour de ce sommeil, eh bien il y a des perceptions vibrales différentes.
Non, je ne remarque rien, mais par contre, tout à l'heure, j'étais en vibration en écoutant. Je ne remarque rien pour ce qui est de la phase de réveil ici, mais par contre, j'étais en vibration. Ça m'arrive régulièrement en écoutant. Ça m'arrive régulièrement en vous écoutant. Je te remercie. Qui parle ? Oui. Je voulais juste témoigner que dans les moments de silence avec vous... Je voulais juste témoigner que dans les moments de silence avec vous... J'ai un son cristallin dans le canal marial. J'ai un son cristallin dans le canal marial... Qui n'a jamais été aussi pur et aussi aigu. C'est d'une pureté incroyable, comme du cristal. Qui n'a jamais été aussi pur et aussi aigu. C'est d'une pureté incroyable, comme du cristal. Voilà. Fin du témoignage. Je te remercie. Nous en profitons, même si ma réponse est courte, pour faire le silence. Que dis-je pour être le silence ? Nous pouvons avancer. Oui. C'est un témoignage du vécu, de mon vécu depuis ces quelques dernières semaines. C'est un témoignage de mon vécu ces dernières semaines, toutes ces dernières semaines. Donc, le premier témoignage, c'est que après un soin de votre acolyte, le premier témoignage, c'est qu'après un soin de votre acolyte... La nuit ou les nuits suivantes, je ne sais plus exactement, il est venu à moi en rêve. La nuit ou les nuits suivantes, je ne me souviens plus exactement, il est venu en moi en rêve. Et c'est comme, et j'ai senti pour la première fois ce que c'était la grande joie. Et on riait tous les deux de ce vécu de la grande joie. Mais c'était, j'étais endormi, enfin, je rêvais. Et j'ai senti ce qu'était la première fois ce ressenti de grande joie. On riait ensemble tous les deux, mais c'était bien, j'étais endormi, en tout cas de cette conscience, c'était dans un rêve. Voilà, et en me réveillant, j'ai pris conscience que en fait, j'avais vécu pour la première fois la grande joie. Et en me réveillant, j'ai pris conscience que j'avais vécu pour la première fois la grande joie. Et alors, quelques temps après... Et quelques temps après... Une autre nuit, après un alignement planétaire, ou enfin,
Collectif. Collectif, voilà, merci. Une autre fois, plus tard, après un alignement collectif. Donc c'était le soir où ça a beaucoup travaillé dans le corps. À la fin d'un rêve, je me suis retrouvé seul dans ce rêve et on me tirait, physiquement, on me tirait la jambe, on me tapait sur la jambe et sur le côté droit du corps et ça m'a réveillé. C'était dans un rêve, j'étais seule et physiquement, on me tirait sur le bas du corps, sur la jambe droite. Le long du corps à droite. Voilà, ça m'a réveillé. Et ça m'a réveillé. Et je sentais physiquement, en étant réveillé, qu'il y a quelque chose qui était à côté de moi. Et je sentais physiquement, en étant réveillé, qu'il y avait quelque chose à côté de moi. Donc j'avais la tête à gauche, mais c'est comme si peut-être ma conscience, mon corps d'éternité a tourné à droite. Et j'ai vu un être qui était à droite de moi. Sans tourner ta tête. Sans tourner ma tête, en fait. Ma tête était tournée à gauche, donc elle est restée à gauche. Par contre, mon corps d'éternité, en tout cas ma conscience, est tournée vers la droite. Et j'ai vu clairement un être. Alors, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit que c'était peut-être un de mes diables, de mes démons, ou voilà, et je l'ai pris tout de suite dans mon cœur. Alors, je n'ai pas eu peur, et je me suis dit que c'était peut-être un de mes diables ou un de mes démons, et je l'ai pris tout de suite dans mon cœur. Il y a un son très strident qui s'est produit à ce moment-là. Et après, j'ai senti comme une paix, et je suis resté toute la matinée dans ce semi-sommeil où beaucoup d'êtres se sont présentés à moi dans mon cœur, et c'était un grand moment de paix. Après, j'ai ressenti comme une grande paix qui a duré toute la matinée, et je suis restée dans cet état de semi-conscience où il y avait aussi différents êtres qui venaient à moi dans mon cœur. C'est ça. Depuis que je suis ici, c'est vrai que le côté droit travaille énormément. Et l'autre témoignage que je voulais amener, c'est que aussi je fais beaucoup de rêves. C'est-à-dire que dès que je m'endors... Oui, peut-être une chose ici. Notre frère voudrait poursuivre sur un autre témoignage. Est-ce que vous souhaitez intervenir à ce niveau-là de ce témoignage-là? Tu illustres parfaitement ce que j'ai dit. Peu importe d'ailleurs que ce soit un démon, le diable, le Christ, vos ombres, un frère, une sœur, comme tu l'as dit, tout passe dans le cœur. Il faut tout absorber. Et c'est à ce moment-là, sans chercher à comprendre, comme tu le dis, ramener au cœur, quelque conscience que ce soit, expand ton cœur, bien sûr. Même avec ce que tu pouvais nommer auparavant, l'ombre. Vous savez bien que l'ombre fait partie aussi de vos champs, de ce monde. Si vous êtes en éternité, en sommeil, en vibration, en alignement, vous allez constater cela. Placez tout au cœur, sauf si des choses que vous voyez sortir et se fondre au loin, laissez-les partir. Mais tout ce qui se tient dans votre champ est éclairé par le cœur et revient au cœur. Tu as exactement bien fait. Alors, tu peux poursuivre ?
autre témoignage que je voulais apporter, c'est que depuis que je suis ici, c'est vrai que ça travaille beaucoup à droite, mais je rêve beaucoup. Dès que je disparais, ou même ici tout à l'heure, quand vous parliez, je sens que je m'endors, je pars. Je rêve, je ne me souviens pas forcément de mes rêves, mais je sens que c'est très actif. Depuis que je suis ici, c'est vrai que j'ai le côté droit qui travaille beaucoup, mais aussi, surtout, je rêve beaucoup. Même quand vous parlez à tout moment, j'ai l'impression de rêver tout le temps, d'être ici tout en rêvant. Voilà. Le rêve fait partie de la conscience de sommeil. Toutefois, aujourd'hui, quand le corps d'éternité est perçu, sensible et vécu, les rêves deviennent lucides et conscients. Parfois, ce sont des rêves, mais vous allez aussi constater, si vous voyagez, si je peux dire, en conscience nue, qu'au moment où vous revenez en la conscience éphémère, il peut y avoir des réminiscences. Ces réminiscences ne sont pas des rêves, mais ce que vous ramenez de vos déplacements en conscience nue. Et je vous rappelle que ces déplacements, lucides ou pas, qui s'impriment simplement au retour de la conscience ordinaire, viennent de votre éternité. Ces rêves ne sont pas des rêves si cela se produit dans la dynamique que je viens de donner. C'est-à-dire aussi que tout ce qui peut se produire, que vous ayez disparu dans le silence et la grande joie, que vous ayez disparu dans votre corps d'éternité ou en conscience nue, le moment où vous réintégrez la conscience dite ordinaire, éphémère, qui n'est plus si ordinaire que ça, des images, des éléments, des paysages, parfois même des rencontres, se remanifestent à votre retour. Ils sont réels. Ils vous concernent. En tout cas, quand ce sont des êtres dits de lumière, comme vous. Par contre, si c'est sur la Terre, je l'ai expliqué. En conscience nue, votre présence est active dans la libération de la Terre et dans son ascension actuelle. C'est votre présence qui agit. Donc tout dépend du contexte. Ça peut être aussi bien ce que tu nommes un rêve lucide, mais si c'est vers la fin, au moment où tu réintègres, cela peut être aussi les réminiscences qui ont été vécues en éternité ou en conscience nue. Vous pouvez remarquer aussi, et l'acolyte l'a parfaitement remarqué, qu'auparavant, vous aviez des variations thermiques qui étaient des injonctions de la lumière ou des injonctions sur la conscience directement, vous donnant sommeil ou autre. Vous étiez obligé de respecter les injonctions. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile de partir, puisque nombre parmi vous qui vivez le cœur du cœur, constatez que dès que vous êtes immobile, silencieux ou attentif, c'est-à-dire non occupé par l'éphémère, le processus de la conscience du cœur est en action. Et vous constatez aussi que c'est quand vous réintégrez que le mécanisme thermique survient. Ça veut dire aussi que vous êtes de plus en plus acclimaté à l'éternité et de moins en moins à l'éphémère. Sortir de la lumière, si je peux dire, c'est une image, ou réintégrer la conscience ordinaire,
C'est comme le disent les frères et les sœurs qui ont fait pourtant des expériences moins intenses de mort imminente, donc de sortie hors du corps, même en astral, et quand ils reviennent, perçoivent clairement qu'ils rentrent dans quelque chose qui est mort, figé, rigide. Ce que je veux dire par là, à travers ton témoignage et ce que j'ai complété, c'est que vous commencez à être lucide sur les mécanismes de passage, sur ce qui les déclenche, et sur les mécanismes de réintégration, comme sur les mécanismes d'expansion. Cette perception n'est pas destinée à vous faire faire des dissertations ou à élaborer des concepts, c'est juste pour vous permettre de repérer les sauts de la conscience, les sauts de la vibration qui accompagnent le voyage de la conscience, soit dans le grand vide de la conscience nue, soit en conscience nue en dehors de ce corps. S'exprime. Oui. Une expérience qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Notre sœur témoigne d'une expérience qui est en lien avec ce que vous venez de dire. Depuis le début de cette réunion-là aujourd'hui. Impossible de rester là. Impossible de rester ici. J'ai commencé par m'endormir. Et depuis que je suis revenue, je m'échappe régulièrement. Et c'est très difficile de revenir ici. Je sens trop petit, je me sens pas bien. J'ai qu'envie d'y retourner. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner. Je suis un tortionnaire. Allez, retour, allez, retour. Éternité éphémère. Tout ça pour vous montrer où est le mieux, où est le beau. Et là, vous prenez conscience que vous êtes réellement dans un sac de viande qui ne bouge pas. C'est justement les va-et-vient de l'expansion au tout et du retour au cœur du cœur, même vécu à l'intérieur de la poitrine dans ce corps et pas ailleurs, qui dévoile la conscience nue, et bien sûr, il n'y a pas photo. À tel point que vous allez devenir totalement dépendant de votre propre éternité. Il n'y a pas de meilleure leçon pour vous démontrer tout ce que j'ai pu dire en 2012. Tout ce que nous vous disons, ce monde est une illusion mortuaire. Et pourtant, il a fallu y trouver la vie. Parce que ça concerne l'homme. Quand vous êtes dans la nature, vous êtes bien. Mais maintenant, tu peux dire, et chacun d'entre vous pourra dire à l'issue des 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, s'apercevoir et dire que ce sac de viande est irrémédiablement un sac de viande et que l'amour, la liberté, le ressenti, bien sûr, n'a rien à voir. D'abord, il faut maîtriser de façon naturelle
Donc pas par une action volontaire, mais par la répétition des sorties, retours, disparitions, retours, établir le pont qui vous permet à un moment donné d'être dans le même corps ou hors de ce corps, le tout et le rien, d'être toutes les consciences comme la non-conscience, la inconscience, le parabrahman. Donc, je le répète, je suis un tortionnaire de l'amour et de la sagesse. Parce que dès l'instant où l'expansion est maximale, c'est un état d'amour. La contraction ou le retour au centre est douloureux peut-être, mais derrière ce retour au cœur du cœur et dans ce sac, il y a le rien. Et le rien, c'est la sagesse. À un moment donné, et très rapidement, tu pourras faire disparition, notion d'être une personne, sans aucun désagrément. Ce processus est réellement un apprentissage. Vous êtes, si je peux dire, comme un bébé qui vient de naître, qui vient d'un monde et qui naît dans un autre monde. Même si ce qui est mort, illusoire, vous occupe encore un peu. Mais plus tu seras stabilisé et équilibré, plus la conscience ne disparaîtra plus à ce moment-là, depuis le cœur du cœur, au cœur même de la personne. Ici, en ce monde, tu exprimeras la pleine conscience, de même que la inconscience. Tu deviens, je l'ai dit, le Verbe créateur, le Christ ressuscité, le Christ en gloire. Et bien évidemment, il est difficile d'être séduit par la matière quand on vit cela. Et bien évidemment, ceux qui ne vivent rien de ces processus de la conscience, je ne parle même pas de la certitude d'être libéré par les vibrations, par les couronnes. Ça, c'est une certitude. Mais ça vous démontre par là même que votre attrait pour la matière est bien plus important que l'attrait pour la lumière. Vous n'avez pas à en rougir, ni à culpabilité, puisque justement, ça fait partie de votre liberté de conscience. Simplement, la matière que vous aimez ne sera plus un lieu de prédation. À un moment donné, tu constateras, comme la Confédération l'a constaté depuis des éons d'expérience, que habiter une forme carbonée, même libre, ne sert strictement à rien. Bon, si ce n'est peut-être pour certains peuples qui adorent jouer, mais fondamentalement, ce jeu n'est rien par rapport à la vérité de l'amour, à la vérité de l'éternité.
qui prend la suite parmi ceux qui ne sont pas endormis ou ailleurs? Oui. Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Pendant la guérison planétaire d'hier après-midi. Pendant la guérison planétaire d'hier en fin d'après-midi. Oui. Alors que mon cœur était bien expansé. Alors que mon cœur était bien expansé. J'ai pensé accueillir le grand diable, Yaldébaot. J'ai pensé accueillir le grand diable, Yaldébaot. Certaine que je pouvais le faire. Certaine que je pouvais le faire. Donc je l'ai accueilli. Donc je l'ai accueilli. C'était, le vécu était doux, calme. Le vécu était doux, calme. Ensuite, j'ai pensé au Christ. Ensuite, j'ai pensé au Christ. Et j'ai dit la phrase, en ton nom, je réunis le 3 en 1. Et j'ai dit la phrase, en ton nom, je réunis le 3 en 1. Et donc, j'ai senti les trois points de la nouvelle Eucharistie se réunir. J'ai senti les trois points de la nouvelle Eucharistie se réunir. Et peu après, j'ai eu des sensations, des ressentis dans les pieds et comme quelque chose qui coulait sur ma tête. Après, j'ai eu des ressentis au niveau des pieds. Oui, des ressentis dans les pieds. Ressentis dans les pieds et après quelque chose qui coulait sur la tête, du haut du crâne qui descendait sur le visage. Et bien sûr, j'ai pensé au lavement des pieds et que j'ai été oint par le Seigneur. Et j'ai pensé au lavement des pieds et que j'ai été oint par le Seigneur. Et j'ai éprouvé, bien sûr, une immense gratitude. Et j'ai éprouvé, une immense gratitude. Voilà, fin du témoignage. Fin du témoignage. Je ne rajouterai rien. Et ceci illustre à la perfection que tout est déjà en vous. Acquiescez à accueillir dans l'amour ce que tu nommes Yaldébaot, comme tu le ressens, te montre que c'était uniquement la peur qui était là avant, mais qu'aujourd'hui, cette douceur est bien réelle. Tu as pacifié le diable en toi. Tu l'as éradiqué. Il est transmuté. Aimer, c'est ne pas éliminer, ne pas rejeter. C'est tout accueillir avec le même amour. Alors bien sûr, je suppose que là, tu as vécu cela dans la conscience nue, dans le corps. C'est encore plus palpable quand vous échangez votre conscience de forme par le processus, je crois que vous nommez walk-in. Et vous allez constater que plus vous êtes dans cet état de communion, d'accueil, de frères, de sœurs, et de tout ce qui est présent sur l'écran de votre conscience, plus vous êtes en paix. Parce que vous avez réintégré les différents fragments de votre conscience. Ce qui en résulte, ainsi que tu le dis, quels que soient les mécanismes vibratoires, c'est cette notion de paix. Parce que le serment et la promesse vous conduisent à la réconciliation. Et la réconciliation et la paix. Ce monde était un monde de division, d'individualité, d'opposition, de confrontation. À partir du moment où vous commencez à vivre, même sans la finaliser, la résurrection, tout ce qui vous apparaissait comme opposé à la lumière, comme opposé par des entités, par des ombres, ne vient que de vous-même, puisqu'il n'y a rien d'extérieur, et réabsorbé dans le cœur, l'ombre, les souffrances, les blessures, est une réconciliation et un pardon,
et surtout une libération. Car cela vous prouve par l'acte d'accueillir que vous n'êtes plus séparés, ni cloisonnés, ni dans la réaction. Vous avez, en quelque sorte, magnifié l'accueil. Et tu peux constater, et c'est la même chose en conscience nue, que dans le corps, une grande paix, une grande satisfaction. Et tu montres par la même, au travers de ton vécu, qu'il ne peut plus exister de peur face à l'invisible, face à l'occulte, face à l'histoire. C'est un processus d'amour pur, montrant par là même, même si le ressenti bien sûr et le vécu en est un peu différent, que ta qualité d'accueil et de sacrifice ne fait aucune différence selon le vécu et l'histoire, selon les concepts et selon les expériences parfois difficiles au sein de ce monde, te montrant que tu te situes, en tout cas dans ces moments-là, dans ton éternité, et tu constates que ton éternité ne peut même pas être modifiée, altérée par Yaldébaot ou par autre chose. Qui prend la suite? Oui. Je vais peut-être raconter un témoignage que j'ai vécu il y a quelques semaines. Je vais vous raconter un témoignage d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques semaines. Je m'étais réveillée vers 2-3 heures du matin. Je m'étais réveillée vers 2-3 heures du matin. Et j'ai été prise d'une sensation de battement de cœur au même temps que la respiration. Ça avait uni la respiration au battement de mon cœur. J'ai été réveillée par le battement de mon cœur qui s'était mêlé à la respiration. Et j'ai été dans un endroit où il y avait plein de feux qui sortaient d'une ville. Et je suis allée dans un endroit où il y avait plein de feux qui sortaient d'une ville. Plein de feux qui sortaient d'une ville. La ville, il y avait des explosions. Il y avait des explosions dans la ville. Qui sortaient de la terre. Qui sortaient de la terre. Et tout brûlait. Et tout brûlait. Et il y avait plein de gens qui s'agitaient tout autour. Il y avait beaucoup de gens, plein de gens qui s'agitaient tout autour. J'étais réveillée, assise sur mon lit. J'étais réveillée, assise sur mon lit. Le cœur battait en même temps que je respirais. Le cœur battait en même temps que je respirais.
je ne pouvais pas sortir de cette situation où j'étais présente, mais comme spectateur. Je ne pouvais pas sortir de cette situation où j'étais présente comme spectatrice. Ça a duré pas mal de temps sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. Ça a duré pas mal de temps sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. Jusqu'à ce que j'ai pu revenir à moi. Jusqu'à ce que j'ai pu revenir à moi. C'est survenu avant que tu reviennes à toi. Non. C'est pas une expérience initiale, mais finale. Avant le retour. C'est pas quand tu es parti que ça s'est produit, je te demande. C'est au retour. Non, c'est-à-dire après, je suis revenu. Tu veux dire par là que les images se sont manifestées comme un souvenir ou un rêve au moment du retour? Elle a rêvé. Elle a rêvé en tant que rêve au départ, mais elle s'est réveillée dans cette réalité assise sur son lit. Et les images continuent encore. Mais si les images continuent encore, c'est pas un rêve. Non. C'est l'action que tu as menée. Je n'étais pas en train de rêver, j'étais réveillée. Oui. Elle était réveillée. Comment? Mais j'ai bien compris. C'était désagréable pour moi. C'était désagréable pour moi. C'est désagréable pour la personne. Mais n'oublie pas, tu le dis toi-même, l'image se poursuivit tant que j'étais quand même présente, éveillée, assise sur mon lit. Oui. Donc, c'est pas un rêve. Non. C'est l'action que tu as menée. Mais comme je n'y étais pas, je ne peux pas te dire si c'était en ultra-temporalité ou pas, mais ce que tu as vu est réel. C'est ce que tu as fait. Et je t'en félicite. De brûler une ville. De brûler une ville, notre sœur est surprise. De brûler une ville. Mais bien sûr, c'est le feu d'amour de ta présence. Ce monde est illusion. Quand tu es la vérité et que tu te promènes, soit ça brûle, soit ça explose, mais l'illusion disparaît. Par contre, le retour dans la personne te fait croire que c'est terrible, mais ça n'a rien de terrible d'embraser d'amour une ville, un continent, un état. C'est le réflexe de la personne. Bien sûr que c'est un acte d'amour. Et c'est réel. Je suis surprise. Comment peux-tu accepter, en étant en conscience nue et en percevant donc au retour que ce monde est illusion, et être encore soumise à ta propre action en la jugeant comme quelque chose de terrible? C'est terrible pour la personne, mais c'est extraordinaire pour l'éternité. Est-ce que tu te rappelles de quelle ville a brûlé? J'ai essayé de la retrouver dans ma mémoire, mais c'était une grande ville. J'ai essayé de la retrouver dans la mémoire, mais je n'ai pas retrouvé. C'était une grande ville. Bon, on verra bien dans les jours et les semaines qui viennent. Mais n'aie aucune culpabilité. Tu as brûlé l'illusion. Les gens qui s'y promenaient, enfin qui couraient, n'étaient pas très bien. Les êtres, les personnes qui couraient n'étaient pas très bien. C'était mais c'était famille. Des personnes. Mais si tu avais pu assister, même si c'est en ultra-temporalité, aux conséquences de ce feu, quelles que soient les personnes qui se démènent, tu aurais assisté à leur résurrection. Et comme tu me dis que c'était il y a plusieurs semaines, c'est nécessairement en ultra-temporalité. Mais le moment où ça va se produire, tu sauras que c'est toi. Qui veux-tu que ce soit? Qu'est-ce qui te choque? Que l'éclairage de la conscience nue consume ce monde. Mais c'est son but. Le commandeur vous en a parlé bien avant les noces célestes. Vous espérez quoi? Que tout va s'enguirlander de fleurs? Et que tout va continuer comme avant? Oh non.
Non, il n'y aura plus rien de l'illusion. Il n'y aura que la vérité. Tout ce qui est éphémère doit disparaître. Je te remercie de ton action. De rien, mon père. Un peu dubitatif. Tu comprendras dans quelques jours. La conscience nue est agissante sur ce monde, non pas pour le sauver ou le préserver, mais bien pour le dissoudre dans l'amour, dans le feu de l'amour. Ça vous a été annoncé depuis des années. Alors, parler. Oui, mais quand même, on pensait pas que c'était nous qui allions faire péter les villes et tout ça. Notre sœur témoigne quand même, on ne pense pas que c'était nous qui allions faire péter les villes et tout ça. Que c'est vous qui alliez vous en occuper. Que c'est vous qui alliez vous en occuper. Ah mais nous on s'occupe de rien. Vous le voyez bien. Vous déclenchez tout seul le serment et la promesse. Afin d'être fin prêt pour les événements. Mais c'est très bien d'avoir anticipé et d'avoir facilité, comme les d'ailleurs les Arthuriens, les dragons qui travaillent sur le feu. Et pourquoi vous ne fleuriez pas, vous non plus? Qu'est-ce qui nous gêne là-dedans? Non, par contre, essayez d'éviter de vous consumer vous-même. Tout de suite. Attendez un peu. Cela avait été dit, je crois, par le commandeur, que tout était en place, mais qu'il y avait certaines actions qui devaient être menées. Bien sûr, il n'a jamais dit que c'était nous ou vous, mais si c'était nous, il vous l'aurait dit. Donc il n'a pas menti, il a juste fait silence. Les choses se dévoilent. Ce qui se dévoile aujourd'hui n'aurait pas pu l'être il y a encore quelques mois de votre temps. Certains vécus n'auraient jamais dû exister tant que ce monde était là. Et c'est pourtant les grâces que vous vivez. Alors n'ayez aucun scrupule à brûler ce qui ne fait que passer, sauf votre corps. Mais si en passant en un endroit, quelque chose se produit, vous ne l'avez pas décidé, mais c'est pourtant vous qui l'avez fait. Alors bien sûr,
C'est pas la peine d'aller raconter ça sous les toits. Là, vous êtes anonyme. Mais j'imagine la tête d'un mari ou d'une femme à qui vous allez dire, s'il n'est pas ouvert, tiens, cette nuit, j'ai fait 3-4 volcans, ils ont tout explosé. J'ai cramé 3-4 villes. Il y a eu quelques petits cyclones. Mais c'est vous, bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit? Je sais pas, la nature. Je vous rappelle que ce que vous nommez extraterrestres qui interviennent dans cette réalité illusoire, ceux qui sont actifs en ce moment sont en 3D, unifiés, comme vous. Et que je vous rappelle que ce que nous avons nommé la Confédération, les Anciens, les Archanges, les Étoiles, ils ont autre chose à faire en ce moment avec la résurrection. C'est vous les relais. Puisqu'ils sont vous. Donc n'en conçois aucune amertume, aucun regret, ni aucune culpabilité. Car tu as fait exactement ce que tu devais être et ce qui devait être. Vous consumez l'illusion vous-même, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et c'est exactement pareil quand vous échangez de conscience d'un corps à un autre, c'est plus une syntonie, c'est un acte d'amour. Et bien évidemment, cet échange, cette permutation consume le corps causal et vous libère. Alors le fait d'avoir vu des fumées sur le chakra de la gorge ou de brûler un chakra, c'est exactement la même chose. Vous libérez ce qui doit être libéré. Et dans cette période particulière, je crois que cela a été dit, et surtout après les 3 Eucharisties que vous allez vivre avec l'acolyte, vous constaterez aisément l'illusion totale. Vous ne serez plus abusé par des réactions « Mon Dieu, j'ai brûlé une ville !» Allègrement, je vous dis, allez-y! Puisque tout doit brûler dans le feu de l'amour. On n'avait pas tout compris comme ça. Mais ça témoigne, on n'avait pas tout compris comme ça. Ben vous allez le comprendre en le vivant, même si ça surprend la première fois. Bien sûr, vous allez dire, ah non, non, c'est pas moi. Mais bien sûr que c'est vous! Alors comme vous n'êtes pas beaucoup encore à vous balader, mais d'ici une semaine, il va y avoir embouteillage pour brûler. Va falloir faire son tour. Et parfois, vous allez constater que vous allez être plusieurs consciences nues, et je vous dis pas l'action que ça va générer. Mais c'est de la pure lumière, du pur amour. Quoi qu'en dise ta personne, vous cherchez à préserver quoi? Votre petite vie, votre petit confort, votre famille. Le feu n'est pas un feu destructeur, c'est un feu régénérant qui brûle les illusions. Pareil pour les séismes, pareil pour l'eau, pareil pour tout. Tout concourt à la libération. Tout concourt à l'ascension qui est en cours. Le simple fait d'être amour vous consume déjà vous-même. Mais vous savez très bien, au travers certains récits, que cela soit des prophètes, des saints, où qu'ils soient situés, que cette consommation d'amour est bien réelle. Elle n'est pas du vent, elle n'est pas simplement un feu symbolique qui prend la tête. Tous les mystiques vous ont décrit ce feu qui les emporte
dans une extase sans fin. Et vous voudriez priver la terre de ça? Ne soyez pas aussi obtus et de avoir encore des réflexes de préservation de l'illusion. Soyez forts, soyez vrais. N'oubliez pas ce qu'avait dit le commandeur. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. De quel côté vous situez-vous? Et vu que les corps d'éternité sont présents partout, même celui qui court parce qu'il n'a pas envie d'être brûlé, dès qu'il sera rattrapé par le feu, il rira de lui-même. Alors n'envisagez même aucune culpabilité d'être vous-même. Qui parle, si nous en avons encore le temps? Alors, une dernière intervention. Est-ce que, suivant la dominante de l'élément que l'on porte en nous, c'est que certains c'est l'eau, d'autres c'est le feu, d'autres c'est l'air, est-ce qu'on va agir plus à ce moment-là sur l'eau, si c'est la dominante de l'eau que l'on porte, ou sur l'air? Suivant la dominante que l'on porte en soi, des éléments, que ce soit l'air, l'eau, le feu, etc., est-ce que notre intervention, notre action se portera plus principalement en regard de cet élément dominant en nous? Bien sûr! Pas toujours, mais bien sûr en général! C'est normal, il y a des affinités! Il y a des sympathies! Et quand vous vous retrouvez sans avoir rien demandé à survoler un endroit, et non pas être présent dans l'endroit, le survoler, vous êtes au-dessus, dans une autre dimension, et parfois au-delà de toute dimension. Il y a une émanation spontanée de votre présence, mais cela vous avait été déjà expliqué, par exemple pourquoi les archanges ne descendaient pas sur terre. Mais parce que la terre aurait explosé. Et à ce moment-là, c'était pas le moment. Mais là, les corps d'éternité sont partout. Vous attendez quoi pour tout brûler? Par l'amour, par ce feu. Vous allez d'ailleurs constater aisément, dans les jours qui viennent, les résultats de l'Eucharistie et de l'amour nu en fusion. En vous, bien sûr, mais partout sur la terre, même si l'événement n'est pas là. Allez, on fait le silence. Avant que je ne vous laisse, d'abord avec l'acolyte, et ensuite avec moi, pour le deuxième rendez-vous collectif, le deuxième de la journée. Troisième, pardon.
Alors Bidi va vous laisser vous aérer, respirer, avant de vivre une Eucharistie dans un moment. Alors je vous souhaite une bonne combustion, un bon feu de joie, un beau vent d'amour, une bonne terre de délices, et une bonne eau d'en haut et d'en bas réunies. Merci. Alors Billy vous salue. Merci. Et je vous dis, quant à moi, à l'heure habituelle pour la fusion en éternité, je vous transmets tout le feu de l'amour. Et Bidi vous dit à toujours. À toujours. À toujours. Merci. 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 Mer